Et c'est tout le monde, c'est Zoéming, je te propose une nouvelle vidéo sur Hello Neighbor et aujourd'hui on est enfin parti pour faire l'acte 2. Donc deux trucs avant de commencer, le premier je suis passé sur PC, donc voilà l'acte 1 je l'ai fait sur mobile. Donc là l'acte 2 et 3 je les ferai sur PC. Et deuxième truc, j'ai déjà commencé à rec l'acte 2, sauf qu'au bout de 1 heure de rec et après avoir beaucoup galéré, il s'est passé ça. Wow! Mec, tu trolls. Tu trolls! Donc voilà, un peu le seum parce que je me suis un peu spoil la fin, donc c'est pas grave, en tout cas, voilà, j'ai tout refait. Donc voilà, un peu le seum parce que bah j'ai vu un bout de la fin, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que malgré tout ça, la vidéo va être cool à regarder, donc en tout cas, bonne vidéo. Ok, du coup, on est de retour, j'ai totalement rage quit après avoir rec pendant 1 heure et demie et tout simplement avoir failli. En plus, il y avait un problème de son, donc c'est nickel. Du coup, on est parti pour vraiment commencer l'acte 2 cette fois-ci, donc let's go. Bon, on a du coup un peu spoil la fin, mais c'est pas très grave, en tout cas, l'objectif ça va être de s'échapper legit pour une fois, parce que clairement, c'était vraiment pas ouf. Ok, je crois qu'au début, on peut juste pas ouvrir la porte, en fait. Ok, c'est bon. Okay, je vais regarder s'il y a d'autres choses à faire ici, mais je crois pas, hein. Vraiment, non, je crois qu'il y a juste à aller ici, en fait. Hop, là. Ouais, non, il y a vraiment juste à s'échapper, donc let's go. Bon, on est parti. Alors du coup, je connais à peu près la moitié des choses à faire, voire plus, en vrai, je sais pas trop. Alors du coup... Ok, ça commence mal. Ok, il me pourchasse déjà. Ok, ça commence très très bien. Le début, pas vraiment évident. En vrai, je pense que la strat, c'est de rentrer par là. Hop. Ce qui est bien, c'est que les objets changent pas de place. Tu me demandes ce que je... Ok, bon, je suis un peu dans la merde. Oh, oh, le brain. Ok, le brain, attention. Je crois qu'il m'a lâché, hein. Ok, on va casser ça vite fait pour après. Et on est parti. Hop là. On n'a rien vu. Hein. Du coup, maintenant, ce que je dois faire, c'est simplement bouger les leviers là. Hop là. Nickel. Il est où? Ok, bon, il fait sa vie. On va pas perdre plus de temps. On a une juste ici. Je sais pas s'il est rentré. Ça passe par là quand même. Wow. Oh, merde. Non, non, non. Ok. Oh, je suis dans la sauce. J'aurais dû monter sur le toit en vrai. Ok. Pas de piège. Et let's go. Bon, la dernière fois, j'étais à peu près là. On prend ça. Et maintenant, je sais pas vraiment quoi faire. Ah si, attendez. Prendre 2 cartons. Je crois qu'un, ça suffit. Ok, il gambade, je crois qu'il m'a même pas vu en plus. C'est nickel, tout ça. Je sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Oula. Donc normalement, je place un carton là. Je suis pas trop sûr, mais... Voilà, nickel. Hop. Est-ce que... Il y a moyen, bon ça en vrai je vais le lancer, que je mette ça ici, sans tomber, ce serait sympa. Ok. Attention. Oh, let's go. Est-ce que je peux le reprendre? Ouais, ok, bon je pense pas en avoir plus besoin que ça maintenant. Mais du coup, on a vidé l'eau, on va pouvoir normalement passer à l'étape suivante, j'espère. Let's go, ok. Ah mais c'est ça le fameux requin, ok incroyable. Bref, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Pas grand chose. Wow! Attends, hey mec, faut que j'arrête de bugger sur tous les objets là. Parce que vraiment. Hop. En vrai, faire un speedrun de Hello Neighbor, ça va vraiment pas être compliqué. Quand tu vois vraiment le nombre de bugs. Ok, bon, on va descendre là. Non, j'abuse. Ok, bah, il va falloir remonter. Génial. Bon, je peux passer par là direct. Ça, je perds pas plus de temps. On descend tranquillement. What? Ok, voilà, parfait. Oula, non. Non, pas parfait du tout. Ok, super. Oula, il est déjà là. Wow! Ok, super, ça commence très très bien. Mais vraiment, sur Hello Neighbor, j'ai l'impression d'être vraiment le joueur le plus malchanceux. Je fais tout mal sur... Là, je fais quoi, mec? Ok, je fais ça. Ok, donc là, je suis enfin ici. Mais il y a quoi à récup, là? Il n'y a rien ici. Ah, mais attends. Mais il faut une clé pour ça aussi. Mec, il faut combien de clés, là? Bon, c'est pas ouf pour l'instant. Il y a ça que je peux, j'imagine, déverrouiller. Avec une clé, bien sûr. Pas un truc genre là. Ah, mais attends, est-ce que je peux pas, genre, juste faire ça? Ok. Super. En gros, la théorie, c'est est-ce que je peux aller sur le toit et aller juste ici, en fait. Je pense qu'il y a moyen, non? En toute logique. J'aurais dû essayer de le faire tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Hop. Wow. Il s'est passé quoi, mec? Je me suis mangé un saut, je suis mort. Mais c'est de pire en pire, hein, vraiment. Alors du coup, aussi, les caméras, je sais pas si ça sert à quelque chose de couper l'électricité. Par contre, ce saut, vraiment, il me veut du mal, c'est pas possible. Donc, objectif, aller là. Hop. Non, non, non. Ok, bon, moi je suis pas mort.
Tout à l'heure, j'étais sur le toit, et vu que je sais que des fois, il y a des jumps assez compliqués, on va dire, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose. Oh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, là, non? Ah non, pas du tout. Comment j'y vais? Ah non, je crois que c'est de l'autre côté. Alors ouais, à part faire ça, ouais, d'accord. Ah non, il y a une porte, et je suis mort. Ok, il y a une porte, donc je sais vraiment pas trop quoi faire. Comment je peux rentrer là-dedans autrement, en fait? Forcément, quelque chose à faire ici. Ah, mais non, attends, à tout moment, c'est le... Non, c'est pas là, donc c'est bien la pièce en dessous avec la fameuse porte. Par contre, aller ici, en soi, ça sert à quoi? Je peux monter sur le toit. Ah, mais attends, il y a un truc pour mettre la valve ici. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Utilité questionnable, mais on sait jamais. Je pense que la bonne strat, ça va être d'aller check ici. Non, pas ici, là, du coup. Mais c'est encore fermé. What? Mais d'où il y a une chaise? Comment je t'ai rentré la dernière fois? Ok, donc ici, bon, à part mettre ça, peut-être tourner ça. Idiot. Pense à moi, hein. Non, non, tu ne rentreras pas. C'est terminé. Ah, bah super. Ah. Alors, j'y étais tout à l'heure, mais on va y retourner, du coup. C'est vrai que j'ai vu, du coup, deux cutscenes quand j'ai essayé la première fois. J'espère que ça va mieux se passer pour l'acte 3, parce que clairement, l'acte 2, entre tous les bugs, entre le micro... ouais, clairement, je me suis un peu littéralement spoil tout l'acte. Bon, j'imagine que vu que j'avais des bugs de micro, j'ai pas dû vous mettre beaucoup de clips au début. Mais on verra. Donc voilà. On inverse la table. Il va bugger un maximum. Ah bah super. On a une table qui va nous suivre maintenant. Ok. Assez bizarre comme cutscene encore. Parce que c'est vrai que l'histoire des lunettes de bord a l'air quand même d'être assez, assez intense, on va dire. Je connais pas grand chose pour l'instant. Le drop bientôt. Très long quand même, on va pas se mentir. Attention. Et là, voilà. Je comprends pas tout à fait la signification. En tout cas, je sais toujours pas quoi faire. Voilà. Ah, mais attends, j'ai deux cuits. J'ai totalement oublié que j'avais ouvert un accès là-haut. Mec, le saut! Là, c'est la fameuse pièce. Voilà, de la fenêtre. Comment l'ouvrir? Très bonne question. Mais du coup, est-ce que je sais toujours pas comment accéder à cette porte? Est-ce qu'il faudrait pas remplir pour nager jusqu'en... J'en sais rien du tout. J'imagine que ça va être quelque chose comme ça, hein. Ah, mais je... Oh, mais mec, j'ai mis où la valve? Bon, je vais aller chercher la valve vite fait. Compliqué! Ouah. Non, ça va, je suis mort. Nickel. Et la valve est juste ici. Monte, monte, monte! Mais quoi? Non, vas-y, mec. Je me suis vraiment pété la gueule dans l'échelle. Donc, objectif, on va tout simplement aller ici. Et... Voilà, nickel. Peut-être pas, en fait. Je me noie à l'aide. Pourquoi, mec? Je savais pas que je savais pas nager. Aucun effort. Comment je peux faire du parcours dans l'eau, mec? On va remonter tranquillement. Voilà. Donc là, je peux accéder à la porte. En toute logique. Non, c'est pas du tout assez haut. Non, si, je peux y aller, non? Mais comment? Donc déjà, étape 1, essayer de reprendre la valve, en vrai. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que j'imagine que je vais devoir ouvrir ça. C'est vraiment galère. Hein. Peut-être un truc à faire là-dessus. Mais attends, je l'ai pas... Mais si, je l'ai déjà fait, ça. Donc, qu'est-ce que... Oh là, ok, ok, ok. Non, je vais en plein dans la glu. J'abuse, là. Oh, le brain. Incroyable, sans faire exprès. Le skill est présent. Plutôt la chance, en vrai, mais... on va faire genre. Je sais toujours pas si j'ai quelque chose à récupérer ici. Y'a rien de plus. Y'a pas une clé en haut, là? Non. Ouais, il est là. C'est abusé. Tu me rattraperas pas, le voisin. On n'a rien vu, encore une fois. Mec! Non, 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 non! Ok, je vais me renvoler. Ça a failli très mal tourner, en tout cas. Ça, c'est toujours rouge. Mec, je comprends vraiment rien. Les puzzles de Hello Neighbor, mon gars. 300 de QI minimum. C'est pas possible. Non, 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 non! Ok, j'ai vraiment deux de QI, mais c'est pas grave. Il peut encore me buter le truc. Est-ce que je peux le prendre? Oh, je peux le prendre. Oh, y'a une... Mec, y'a une pelle. Je regarderai, hein, voilà, c'est très clair. Parce que du coup, Mec, là, à un moment, faut arrêter quand même. Ouais, du coup, dans mon premier run, j'étais en mode ça, il doit y avoir un truc à faire, donc effectivement, je pense. Oh, ok. Bon, c'est la clé de la sortie, là. Je suis bloqué dans le trou, par contre. J'ai pas envie de me faire enterrer avec. Ce serait sympathique. Non, non, mais mec. Mais c'est abusé! Du coup, non, c'est pas du tout ça, c'est en haut, j'imagine. Je sais pas où il est, par contre. Oh lolo. Laisse-moi jouer, s'il te plaît. Franchement, je pense que je dois être le plus gros noob des Loneibor ever. Bref, j'ai la clé, donc normalement, on devrait être bon. Je vais pouvoir aller dans la chambre ici, et on va pas ouvrir ça, j'imagine. Ok, nickel. Ouais, d'accord. Ça me rend ça quoi, là? Oh.
ça ouvrirait pas. Ok. Attends, est-ce que ça a ouvert ça? Ok, d'accord. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais voir là-haut. Oh, ok, ça a gelé. D'accord. C'est bon, je crois qu'on va avoir fini. Hein. Allez, merci beaucoup. Ok, let's go. On est parti. Oh là, attends. Non, mais mec, il descend tranquille. Non, ok, c'est bon. C'est terminé. Au revoir. Alors, par contre, aussi, à quoi sert ce trampoline? Vraiment, c'est... J'étais en mode, waouh, le mystère de fou. En fait, il sert à rien. Ou pas. Je sais pas s'il y a plusieurs fins ou quoi que ce soit. Ok, let's go. Est-ce que je peux ouvrir? Au revoir. Du coup, j'ai déjà vu la fin. Assez bizarre, cette POV. Ouais, il se passe encore quelque chose dans sa maison. Bizarre, tout ça. La tête du voisin. Et du coup, let's go, acte 2 terminé. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et du coup, acte 3, non. Voilà, tout simplement, on va même pas se spoil. Je vais même pas me spoil le dé... Oh ouais, si, vas-y, quand même. Ok, bah c'est littéralement moi qui me réveille. What? Attendez, on est dans un appart. Ok, d'accord. Très bizarre. Bon, en tout cas, on va se laisser là pour l'acte 2. En tout cas, j'espère que vous avez aimé malgré tous les problèmes, parce que clairement la vidéo, c'était le carnage de A à Z. Et d'ailleurs, alors, je suis pas sûr, mais je crois que l'acte 3 est un peu plus long. J'espère pas trop non plus, parce que clairement, vu comment j'ai galéré pour l'acte 2, alors qu'il y a littéralement genre quasiment rien à faire. Donc, en tout cas, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner, c'est super plaisir. Moi, je dis à plus pour... Non, je ferai pas l'acte 3, c'est terminé là, il m'envoie des lettres et tout. Donc voilà, saison Miming. Ciao.